Je me présente, David Jousselin, je suis directeur d'exploitation du campus de Madrignac depuis 2 ans maintenant. Donc ça consiste à gérer l'ensemble de l'exploitation horticole du campus. Une exploitation où on produit de la plante à massif. On a 53 clients en collectivité locale sur les plantes à massif. On produit du chrysanthème, on produit du plan maraîcher bio pour les professionnels. Et on produit de la pépinière ornementale. La certification plante bleue, alors moi j'étais pas là, mais elle a dû commencer en 2019 par mon copain qui était à mon poste à cette époque. Plante bleue, donc nous on est certifié HVE, donc c'est haute valeur environnementale, donc c'est la plus haute certification plante bleue. Donc l'idée d'intégrer plante bleue, à quoi ça sert? Donc, en fait, c'est montrer les bonnes pratiques dans notre système de production, dans notre exploitation. Donc plante bleue va certifier sur plusieurs critères, tous les 18 mois par plante bleue. Donc on a la gestion de l'eau, on a la gestion des phytosanitaires, tous les produits de traitement. On a la partie gestion des déchets, donc comment sont gérés les déchets d'exploitation, plastique, terreau, tout ce que l'exploitation peut avoir comme déchets, donc comment on les retraite. Comment l'exploitation aussi interagit avec l'environnement, la biodiversité, les règles sociétales aussi vis-à-vis de nos salariés, donc comment les salariés sont accueillis et sont intégré dans l'exploitation, et tout ce qui est la partie santé, sécurité au travail. La partie maîtrise de l'énergie aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est très important. Donc depuis l'année dernière, vous avez peut-être rendu compte que la partie énergie, les factures d'électricité, tout augmente, factures gaz, tout augmente. Donc on est très audité sur comment en fait on gère nos dépenses énergétiques. Donc, de toute façon, d'un point de vue économique, on est obligé de faire des efforts. Mais c'est une façon de toujours se maintenir au plus haut niveau de nos pratiques. Donc ça nous oblige aussi à chaque tous les 18 mois se remettre en question, d'évoluer toujours dans le bon sens, de faire toujours mieux. Ça nous permet aussi d'être reconnus par un organisme extérieur qui vient, qui atteste que nos pratiques sont vertueuses de l'environnement.